Hey, salut les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Vous allez bien, on se retrouve à nouveau sur Just Cause 3, les potes, après plusieurs galères, mais c'est pas important, c'est pas important. On a eu des problèmes de record, des bugs et tout sur le jeu, c'est parti en cacahuète avec ce game. J'ai failli perdre tout espoir. Donc, c'est pas grave les amis, on est reparti, j'ai dû recommencer le jeu une nouvelle fois pour pouvoir retrouver le mode solo. Donc on va partir ici, il faut aller libérer cette ville parce qu'elle va être attaquée par El Général, car il n'est pas très content de nous suite à la mission précédente les amis. Pour l'instant rien de compliqué, donc on a pris le petit contrôle de l'hélicoptère, on s'entraîne au niveau du gameplay, c'est pas évident de le prendre en main. Donc ouais, on a eu plusieurs bugs, on a combien, attends, 3 bornes, on va avoir le temps de discuter les amis. On a eu plusieurs bugs, ça soit des bugs au niveau physique du jeu, ça soit des bugs où le jeu plante. Alors donc je me suis renseigné, il n'est pas du tout optimisé pour le PC en tout cas, surtout en mode ultra et tout, il n'est pas à fond le jeu. C'est un peu dommage, on est un peu loin du triple A, mais après voilà, ce qui fait vraiment le plaisir de ce game, c'est quand même la particularité du gameplay, tu peux tout détruire et ça c'est super fun les amis. Donc allez, on a deux bornes, par contre, ils sont pas très très rapides les véhicules, pas très très rapides les véhicules, j'ai eu du mal à me prendre au jeu au niveau du gameplay de l'hélico, voilà, parce qu'il faut vraiment y aller en douceur. On va voir si on arrive à prendre un petit hélico militaire, voilà, j'en bégaye les potes. Si on arrive à prendre un petit hélico militaire pour tester ça, voir tout ça, faire tout péter, ça serait plutôt cool. On va essayer d'atterrir tranquillement et gentiment, une réaction inquiétante, ok les potes. Là je pense qu'il y aura pas mal d'action, ça va être fun, ça va être fun. Bon vas-y, ça m'a saoulé, on va descendre, hein. On va descendre les potes, ça ira plus vite. Allez hop, parfait, le petit grappin, comme ça on se pète pas une cheville. Allez, c'est parti, on envoie la mission les amis. Petit chargement. Donc, ah, qu'est-ce que c'est derrière qui explose là? Cette grosse machine là. Ah, ça peut être sympa ça. Oh, elle saucissonne. Pour le Général, on va le voir. Allez, c'est parti les potes. Petite scène. Des années de travail. Notre incapacité à protéger Manea était largement prévisible. Nous reprendrons son contrôle sans problème. Mais la perte de Vice Electra, voilà un échec qui ne peut pas rester impuni, n'est-ce pas? Reiko Rodriguez est de retour, né dans le brasier qui a fait naître mon règne. Bientôt, le monde connaîtra toute l'étendue de mon pouvoir. Il m'offre l'occasion parfaite pour une démonstration. Un brin de motivation? La ville de Costa del Porto. Brûlez-la! Et quand il arrivera pour protéger les miséraux, tuez son ami. Chaque action peut et doit engendrer une réaction terrible. Et ensuite, les braises de la révolution se transformeront en cendres, comme ça a toujours été le cas au cours de l'histoire. Utilisez les blindés. Ah ok les potes. Là ça va chier, alors pas mal d'action. Ouh, le type il a sorti les blindés et tout. Ah ouais, la ville elle est en feu mon pote. Bon. Ok, on va essayer de prendre le contrôle des blindés direct les amis si on peut. Et on va nettoyer la zone. On va nettoyer la zone, ça va être facile j'espère. En tout cas, elle a pas rigolé, elle est générale, il est un peu en mode vénère. On a commencé à le picoter, on a commencé à le titiller un petit peu là, le type. Ouh, ça a sorti avion de chasse et tout, mon pote. Ah ouais, ok, ok. Ah, c'est dommage par contre. C'est dommage que les bâtiments se détruisent pas, ça aurait été bien voilà. Sympathique. C'est ta faute. Tu tires partout, tu joues à la guerre, et c'est nos maisons qui brûlent. Écoute pas ce vieux type. On fait ce qu'on a à faire. Je n'ai pas le choix.
Mais je n'oublierai pas. Moi, je prends les blindés. Toi, tu vas en ville, Mario. T'inquiète, on va leur servir sur un plateau. Ok, on va les démanteler, mon pote. Ok. Allez, c'est parti, les potes, on va détruire le blindé. Oula. Allez, monte à l'intérieur du blindé, mon pote. Ok, parfait. On le défonce, lui, là. Allez, pote, au-dessus. Ok, nickel. On va garder le blindé, il est encore... Attends, tiens, encore. On va défoncer un petit peu les mecs, là. Ok. En même temps, on va essayer de libérer la ville, si possible. On va péter un max de trucs. Ok, parfait. Ah, j'adore. La destruction dans ce jeu, quand même, c'est juste magnifique, les potes. Il y avait encore des types, là. Là, c'est bon, sort les potes, on va éclater ça là. Allez. Michael, je suis dans la merde. Terminé. Ok, c'est parti les potes. On va aider Mario. Putain, ce petit système de grappin les potes. Ok. Ah, par contre, c'est juste un peu chiant là, le truc de. Ce mode de tir un peu pourri, les potes. T'as une petite explosion dans votre face. Ich. Ça. Ah, j'y ai l'air à viser. Ah, alors, on est nul. Même avec la visée. Ah, automatique, les potes. Ok. Alors on va juste chercher des munitions vite fait avant de sauver les fesses à Mario. Ok, parfait. Ah attends, il y a une arme lourde, mon pote. Nickel. Nickel. Mario, on est dehors. Ouvre la porte. Ok. Hop, on va ouvrir la porte vite fait avec l'aide du grappin. Ça, le grappin, c'est juste stylé par contre. Ok, c'est parti, mon pote. C'est parti. L'équipe de secours attend près de Thierry là. Fais sortir Mario de là, je vais te couvrir. Ok, on va essayer de le couvrir, ça va pas être facile. Ah, Rico, pars pas en dessous, mon pote. Prends l'hélico, qu'est-ce que tu fais? Allez, c'est parti. On y va en mode hélico, les potes. On va essayer de protéger Mario si on peut. Allez, c'est parti. C'est parti, ça c'est pas mal. Ça j'aime bien, les petites missions comme ça là. Alors attends. Ah d'accord, il y avait un petit obstacle sur la route, le type il était pas bien. On tient prêt. Ok. Oh putain, il y a de la bagnole, j'avais pas vu. Ok, on va ici. Oh putain, c'est pas évident l'hélico. Allez, allez Rico! Ok. Ok, ah il y en a un derrière. Il y a une base militaire. Ils vont essayer de nous arrêter. Ok. Ok, l'autre avec l'hélico derrière, il a du mal à me viser, ça c'est parfait. Ok, on va essayer de se retourner les potes.
Ouais, c'est bon. Oh, oh, ils sont là. Merde, je suis pas bien. Allez, tiens l'hélico. Allez, on va allumer les potes. Allez, on le bousille. Oh putain. Pam. Ah non. Les potes, on est reparti. On est reparti. Ah putain, mais qu'est-ce que tu me casses les couilles. Allez, fonce, Mario. Ah, fonce. Putain, pas facile, les potes. Pas facile. Il a eu bobo quand même, Mario. Il a eu bobo, Mario. Ok, c'est bon. On arrive à la base rebelle. Ah, les potes. C'était pas évident. Franchement, c'était pas évident. Faut s'y habituer en plus au gameplay qui est pas super simple. Pas mal arcade quand même, pas mal arcade ce petit jeu. Bon, pour l'instant en tout cas ça se passe pas trop mal. On a réussi à aider Mario à se libérer. Ok, par contre la ville on l'a perdue, elle a cramé mon pote. Fin de mission. Mission réussie les amis. Ça c'est plutôt cool. Oh putain, tout ce qu'il y a. Ah d'accord. Mario, terminé. Ah je suis pas bien. T'as pas dit terminé. Terminé. Ok, on va prendre le contrôle, on va juste vite fait nettoyer ça là. Pam. Pam. On a perdu, mais on va se reprendre. T'es à la planque. Putain, il a réussi à appeler. Dima est ici, elle veut te parler. Ok. Hop, les potes, ça c'est bon, c'est fait. Alors attends, Dima, elle veut me parler. Elle est où, Dima? Où est-ce qu'elle est, Dima? Dis-moi, où elle est? Ok, les secrets de Vice Electra, d'accord. Bon, allez. Trace la route, les potes. Bam! Attends. Cible en fuite. Rétablissez le contact visuel immédiatement. On va ouvrir la porte, les amis. Hop. Parfait. T'es en train de... Oh ouais, magnifique. Alors ? Y'a que dalle en fait ici. Je suis rentré là pour rien les potes. Ok. Allez d'accord. Le véhicule il est bloqué. Pardon, excusez-moi. Bon. On va peut-être arrêter les conneries. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? On va regarder un petit peu vite fait les potes, la progression là. Ok, mission et défi. D'accord. Donc, si on va sur la mission. Ah, je suis sorti du menu. Allez. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant pour débloquer cette mission, les potes? Libérer deux provinces de plus dans Insula Fante. Donc, Insula Fante, c'est ici. Ah, il va falloir qu'on libère deux provinces. Oh la galère. Là, il y a du boulot. Là il y a du boulot, alors attends. On va se faire une petite livraison. Hop. Allez, un petit hélicoptère. Balise requise. Ah ça m'a chié dessus. Ah ça. Merde. On est obligé d'aller à Yep les potes. Ah ça c'est nul.
Ça, c'est nul parce qu'on est super loin, quoi. Attends. Alors qu'on trouve un moyen, les potes. Oh, bah alors. Voilà, ça c'est fait. Je sais pas pour qu'il galère à avancer comme ça là. Ok, parfait. Alors attends. Hop. Oh putain, mais on est à perpète les potes là. Alors attends, on va essayer d'y virer. Quel serait le chemin plus court les potes? Allez. Ah non. Attends. Mais je suis trop bête les potes. Je suis trop bête. Parce que la mission... Elle est là. Mais là, pour aller jusqu'à là... Oh, on est juste super loin. 5 km, les potes. Bon, ok. Ok, c'est pas grave. C'est parti, les potes. On garde la foi. On n'a plus d'hélico. Merde. Ah, j'ai merdé. Ouais, vous savez quoi? On va faire autrement. On va essayer. Allez. On va essayer d'appeler un hélicoptère. On va essayer de prendre un hélico, les potes. Ok, on va ouvrir la porte. Oh, débat. Bon, les potes. Alors, on a raté. Allez, on voyait l'hélico, merde. Oh, des balises. Ah, il fait pas chier, donne-moi les balises là. Ok les potes, c'est bon. C'est bon, on a des balises. Hop, on a gagné une petite balise. On va prendre maintenant le véhicule hélico. Demander. C'est parti. C'est parti, vas-y, on voit l'hélico mon pote. Parce que là, il y a pas mal de bornes. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal le petit système de livraison. Par contre, voilà. Faut trouver les petites balises. Ah oh, putain, parfait. Parfait, petit hélico militaire les potes. Alors attends. Le point, il est par là. Parti. C'est parti les potes. Oh là là, ça va être long. Ça va être long. Je pense qu'on va couper. Et on va reprendre juste après les amis. Allez, c'est parti. Allez, re les potes. C'est parti. Putain, la traversée de l'infini les amis. On a galéré à traverser cet océan là. La map, elle est juste énorme. Ok. De toute façon, il était perdu. Hop, je pouvais pas me poser. Ok. Allez, c'est parti les potes. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Commencer mission, on enchaîne les missions, dis donc. On a jamais dit qu'on discuterait de ça, Shelton. Ouais. Eh ben maintenant, c'est l'heure d'en discuter, Mario. Ah, ça coupe la parole et désolé, tout. Fiston. Qu'est-ce qui se passe? Je vois que t'as trouvé les rebelles, Sheldon. Bah, tu sais, mon pilote Crashy dit qu'on doit tous participer. Et tu me connais, je suis philanthrope de l'année, comme tous les ans. C'est ça. Ben, c'est vrai. Justement, je viens de signer un deal avec les rebelles, tu vois. Tu les sauves, ils m'aident, et moi je t'aide à aller d'un point à l'autre. Hein? Merci qui? Merci Sheldon. Mais de rien, gamin. Ça me fait plaisir. Wow. Sheldon la magouille, mon pote. Il fait de la vente avec tout le monde, avec le général, avec Mario, les rebelles. Ah ouais, Sheldon, mon pote, il est juste là pour le business. Je crois que c'est un agent de la CIA, en plus. Je sais plus. Je ne sais plus les potes au début de l'histoire. Alors, on va aller voir Mario, il est pas bien, il est en train de pleurer. Tiens, coup de chassé dans ta tronche, mon pote. C'est cette embrouille avec Sheldon. C'était lui, la radio.
En fait, il nous en a donné à tous, comme si c'était des cadeaux. Tu m'as menti. Il a vu nos faiblesses. C'est notre évolution, mais... il nous tient. Mario... je connais Tom Sheldon. C'est un ancien collègue, mais toi... t'es mon ami. Il faut que tu me dises la vérité. Je suis désolé. Vraiment désolé de t'avoir mêlé à ça. Je t'en veux pas. Voilà, petite tape dans les kiwis, là. Ah, que c'est beau, l'amitié. Jamais de te protéger, mon ami. Ah, amusant. De l'eau. Viens. Ah, j'adore le dialogue à la meuf. Elle parle d'un entrepôt de Bavarium. C'est là qu'on stocke le minerai. En le détruisant, on frappe là où ça fait mal. Je vais aller voir. De grandes choses s'annoncent. La probabilité d'une mort atroce est extrêmement élevée. Hey. Ouais, j'aime ça, moi. J'aime ça. Le danger comme ça, là. Maintenant l'homme le plus dangereux de la planète. Il me faut mon scanner à Bavarium. Trouve mon contact à Vigilator Nord. Ok. Ok, les potes. Donc, il va falloir aller trouver son sort de petit scanner. Voilà. Alors, attends. On va regarder la petite carte, voir où elle s'est placée. Alors, j'espère qu'il va pas falloir retraverser tout l'océan, là, parce que l'océan de l'infini, je vais juste avoir les yeux éclatés, quoi. Je le connais, ce type. Je crois que son bateau est coincé. Tu peux l'aider ? Attends. C'est un type bien, mon frère. Oh, bah, calme-toi, ma sœur. Hop, on va prendre juste ça, un peu de munitions partout. Attends, on peut changer de petit gun. Ouais, c'est pas mal. Allez, on va aider le mec. Rico. La mer est en colère. Ok, là je vais t'aider, mon pote. En mettant notre bateau à l'eau. Et voilà, c'est fait. Merci, Rico. J'oublierai jamais. Ok. Attends, on va juste regarder la carte quand même. Alors pourquoi il me dit aller à la carte ? Se fout de ma gueule ! Ah, ok, d'accord. Ah oui, déplacement rapide. Parfait, les potes. Alors, attends. Hop, déplacement rapide. Ah, bah, nickel. Nickel, nickel. J'allais avoir le seum, sinon, s'il fallait tout traverser la nage, là. Ah, bah, parfait. Nickel, le jeu. Ah, ok. Allez, c'est parti, on saute. Ish. Ouf, mission réussie. Alors ? Il y avait une mission, je sais pas où, là. Mais bon, pourquoi pas. On a débloqué, voilà. Déplacement rapide. Bah, c'est parfait, moi, je dis. C'est parfait. Alors, putain, il descend plus vite comme ça que qu'en chutant. Va voir mon contact, Luch, à Vigilator Nord. Il t'aidera à trouver ce scanner à Bavarium. Ok. Alors, fais voir. Fais-moi voir ça. Ok, c'est ici, les potes. C'est parti. On va placer un petit point. Alors, normalement, on a un petit hélico qui nous attend. Parfait. Allez. Ah non, on s'en fout des petites courses là. Nous, on est là pour le mode histoire, on est là pour le let's play. On fera des vidéos, les amis, après sur les petits modes comme ça, là, de course d'hélico ou de je sais pas quoi. Ça peut être sympathique à faire des petites découvertes dessus. Après, voilà, faut découvrir tous les petits côtés fun sur ce jeu là. Il y a énormément de choses. Ah, on est reparti pour une borne et quelques. Par contre, les hélicos, enfin, les véhicules sont assez lents. Il va falloir débloquer des boosts. Je pense qu'il y en a pas mal. Il va falloir en débloquer. Parce que alors, attendez, si on regarde la carte... Alors, on peut faire des modifications, les amis. Donc, grenade vert, ok. Ah, faut terminer les défis, par contre, pour les débloquer. Ok, pas de problème, pas de problème. On verra ça un peu plus en détail. Alors, on va aller retrouver le petit contact, là. Donc, je pense qu'il va falloir aller en face après, les amis. Défoncer tout ça, là. Allez. Bon, on essaye de... Ah, ok. Vas-y, atterris, non ? Oh là là, comment il est light. Ok, bah écoute, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Ish ! Allez, c'est parti, les potes. On envoie cette mission-là pour terminer la vidéo. On arrive bientôt déjà à 30 minutes, mais bon. Ce sera l'extra ! Oh ! Alors, c'est moi. Vigilator Nord, c'est sur la rive d'en face. Mmh. Tu cherches le scanner de Dima, c'est ça ? Oui. Dommage. C'est une aiguille dans une énorme botte de foin. Bonne chance.
T'en auras besoin. Merci, Luch. Hey! Je dis les choses comme elles sont, moi, hein. Ok. C'est super intéressant, encore une fois. Donc, alors... Putain, on s'en tape, des chargements, les potes. Allez, on va prendre le petit bateau, voilà. Oh, putain, en plus, on envoie du gameplay sur un peu tous les styles de véhicules. Et c'est parfait. C'est parfait, on va passer de l'autre côté. On va essayer de faire ça en 2-2, les potes. Allez. Ah, j'ai raté. Il ressemble à quoi, ton scanner ? Un appareil portable, pas bien grand. Alors, hop. Rien pour rester discret. C'est embêtant quand on le perd. Fouille les conteneurs de stockage okay. Dans la base. Alors, on va fouiller les conteneurs, les poches. Hop. Y a rien là-dedans. Là, y a que dalle, on s'est fait berner. Ah merde. Alors, mais descends. Rico. Merde, hein. On va aller voir les autres là-haut. Ok. Là, il y en a un. Hop. C'est parti les potes. Ah oh, parfait. Ah oh, des barres de rien. Alors. Attends, on a réussi à le trouver. Dima. Il faut que tu places le scanner sur l'une des trois grilles à Chimaleon. Il repérera n'importe quel train de Bavarium raffiné. Alors, on se prend le mur. Bon allez les potes, on va essayer de gagner du temps, on va y aller directement comme ça. Parce que là, attends, c'est derrière. Ok. Exploser. Comment ? Il va vraiment falloir qu'on discute de tes inventions, Dima. Allez. Allez, Rico ! Ah, ce truc du grappin, n'empêche, c'est stylé. Alors, on se prend des arbres. J'ai besoin de ce scanner, mon pote. Si on contrôle le Bavarium, on contrôle Medici. Et puis, tu sais qu'avec ce scanner, je pourrais certainement convaincre l'agence. Ok. Ah, c'est bien ça, c'est bien ça, il fait partie de la CIA, le type, il est en train de négocier, là. Je pense qu'il veut nous berner avec le Bavarium, là, ou je sais plus quoi, là. Ish. Allez ! Oh, putain, de Rico, les potes. Ok. Continue, bon, le grappin, là. Ah, ça marche pas à tous les coups, les potes. Allez, faut choper le truc. Faut choper le truc. Oula, des avions de chasse qui passent au-dessus, les potes. Ok. Allez, on y est presque là. Ish. Ok. Ah! Je pensais que c'était là, mais pas du tout. Pas du tout! Oh là 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 là, comment c'est loin en fait! Bon, au moins c'est bien, ça nous entraîne au grappin, les amis. Alors là, ok, c'est juste ici. Merde, petit hélico là. Ok, la grille elle est juste là, on va atterrir dessus. Ish! Merde. Alors? Oh, débarque! La galère, faut se placer en plein mid! Ok, parfait. Ah d'accord. Petite fusée éclairante. Ah, ça a grillé. Ça a pas fonctionné ton truc là. Ça a failli me péter dans les doigts ça encore. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec le truc? Je pense qu'on va le ramener à Sheldon. Un petit appareil, là, le petit scanner de Bavarium. Ok. Oh, je sais exactement quoi faire avec ce scanner en miettes. Ok, d'accord. Bon, les potes, c'est bon, parti. Sheldon, j'ai le scanner. T'es où? Ouais, c'est bien ça, les amis. C'est bien ça. On va rejoindre Sheldon. Bien joué, Rico. Je savais que je pouvais compter sur toi. Non, oh, mais c'est pas mal, hein. Bien, on va fêter ça au café Francesco. Ok, il paye sa tournée, les potes. Oula, petite tournée gratuite, là. Allez, allez, plane, plane.
Ah putain. C'est parfait. Parfait, le temps qu'on a gagné les potes. Ok. C'est parfait. Dictature est considérée comme une insulte. Ok. Parfait, on est arrivé. Donc. Mais qui voilà ? Sheldon. Je ne doute pas un seul instant que tu veux créer un monde stable et empli d'amour. Tiens, voilà ton scanner. Merci bien. Et merci d'être passé. Tu vois, il y a toujours le pilote à côté en train de dormir là. Il me sert à rien celui-là. Alors. Ah, mission terminée les amis. Et voilà, bon, on termine sur ce petit succès. N'oubliez pas surtout les petits j'aime, les petits commentaires, les petits abonnements à la chaîne. Et on se retrouve pour la suite les amis. Je vous dis à très très vite pour encore plus de vidéos. Ciao ciao.